Salut, allez, je vous emmène avec moi pour une petite journée rallye. On est parti pour le Rallye du Touquet. Alors, je ne sais pas si on va le voir, hein. Il y a une petite Porsche devant nous. Je vais essayer de vous la montrer tout de suite après. On va essayer de passer entre les gouttes. Ça va être une journée un petit peu compliquée. Hop, je vais fermer ça juste. Donc, Rallye du Touquet, ça va être mon premier, le premier que je vais faire. Là, c'est la journée du samedi. Ça a commencé. Enfin, il y a déjà eu des étapes hier. Là, on va faire celle de samedi en espérant que le temps soit de la partie. Il y a pas mal d'engagés, pas mal de beau monde. On va voir si on peut essayer de filmer, si on peut essayer de faire du drone, si on peut essayer de prendre des photos comme d'habitude, ce que j'aime faire, vous montrer un petit peu de belles images. Et puis ben, on va essayer de se placer pour la première et voir un petit peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon, mais voilà, on vient de terminer la première spéciale. On n'a pas eu de pluie, donc tout s'est bien passé, tout sauf un petit événement dont je vais vous faire part tout de suite. Et vous allez me dire si ce que vous en pensez. J'étais en train de faire du drone, donc tranquillement avec l'avatar, vous avez pu voir quelques images. Sauf qu'un photographe officiel est venu m'emmerder, c'est-à-dire il m'a tapé la main de la radio, ce qui fait que j'ai perdu le contrôle de l'avatar, il s'est crashé.
Alors, il a prétexté les problèmes de sécurité, alors que je volais assez haut. Alors oui, certes, je suivais la voiture. Voilà, ça c'est un peu peut-être litigieux, ça c'est peut-être une chose. Mais il a prétexté ça en fait pour me dire qu'il fallait avoir l'autorisation, je pense, de la FFSCA ou de l'organisateur du rallye pour faire des vidéos, alors que je suis en total amateur, j'étais dans un champ, voilà, j'étais pas en zone rouge, j'avais toutes les autorisations en termes légal. Après, voilà, dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'il faut une autorisation pour ça. Je ne pense pas à moi, je vais être très clair, je vais vous dire mon ressenti. Je pense qu'en fait, surtout, c'est qu'il avait peur pour son business. Les photographes officiels commencent à en avoir marre, en fait, qu'il y a de plus en plus de personnes avec des appareils photo performants, de personnes avec des drones. Voilà. Alors lui me dit qu'il a un drone, il sait ce que c'est. Bah, écoute mon gars, si tu sais ce que c'est, tu viens pas taper la main de quelqu'un qui est en train de faire un drone avec un masque, parce que tu sais pas sûrement que ça peut le cracher. Alors, je vous raconte pas le prix du drone, je vous raconte pas ce qui m'a retenu de lui en mettre une. Bref, voilà. Donc on va se diriger sur la prochaine spéciale sans pouvoir refaire du drone parce qu'il a pris la poussière, il a un peu de boue, j'ai pas de quoi le nettoyer ici. Donc je sais pas encore, peut-être que je ferai du Mini 3 Pro, j'en sais rien. Très honnêtement, là je suis un peu énervé, vous pouvez aisément le comprendre. Voilà, bref, voilà où on en est. Plus le droit de rien faire, plus de liberté, et tout ça sous couvert de la sécurité. Bref, c'est un peu comme l'état avec les radars, c'est pour la sécurité. Voilà, allez, passe à la suite.